Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, moi ça va. On est dimanche 29 octobre. Là, il est. Il est quelle heure? Attendez, je regarde. Il est 13h25. Je suis encore en pyjama parce que j'ai pas arrêté depuis ce matin. Pourtant, je me suis réveillée à 7h. J'ai fait tout le ménage. J'ai fait une tarte au flan. J'ai fait de la pizza. Et là, je suis en train de faire un petit velouté de légumes avec les restes de légumes qui me restent. Voilà, il me restait des poireaux, des pommes de terre, des carottes. Voilà, donc j'ai fait ça. Et puis, voilà, j'ai presque fini. Et bon, j'ai encore un petit peu de vaisselle ici de ce que je viens de faire de la pizza. Mais c'est Julie qui va s'en occuper parce que bah, moi je l'aime préparer et après on part chez Amélie. Donc j'ai fait toute ma lessive aussi, donc je suis tranquille. Là, la soupe est en train de cuire au robot. La pizza est au four et j'en ai une deuxième à préparer. Donc il y en a une pour Vincent et une pour nous. Voilà, sinon j'ai tout fait et franchement. Je suis tranquille, là tout est fait, j'ai même lavé les sols et tout, donc c'est cool. Et ma tarte, je suis trop contente, elle est trop belle. Bon, allez, je finis les pizzas et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, mes pizzas, elles sont terminées. Voilà, je vais pouvoir aller à la douche. Terminée en cuisine. Héra! Bon, faites pas attention aux chaussures là à côté. C'est moi qui viens d'enlever mes chaussures. Donc là, on est chez Amélie. Héra. Ezès. À côté du feu. Héra! Zès! Il y a 4 heures! Bébé Zès! Hey, toi, genre, déjà, je vois, mais toi. Bon, les amis, de voilà de retour à la maison. Il est 18h10. On était chez Amélie, hein, comme je vous avais dit. On vient de rentrer, mais avant ça, on a passé chez mon épicier parce qu'il me fallait des escalopes de poulet pour moi. Les semaines qui suivent, et comme là-bas c'est pas très cher, donc on a été en chercher. Et en même temps, on est passé à la boulangerie, donc je vais vous faire un petit retour. Hein. Donc mes cheveux, c'est à la bonne franquette hein. Aujourd'hui, pas de chichi, et puis j'ai remis mon pull de chez Action parce que franchement, il tient super chaud. Et comme il fait pas très chaud, hein, franchement, ça caille. Du coup, là, on vient de rentrer et. Eric, bah, là vous ne le voyez pas, mais Eric a allumé la cheminée. Enfin, on est en train de l'allumer seulement. Parce qu'il fait froid. Alors là, maintenant, je vais vous présenter ce qu'on a acheté chez mon épicier. Donc, tout d'abord, bah, les baguettes. Hein. Alors, on a pris trois baguettes pour les sandwichs de Eric demain. Et puis, si on a envie de manger du pain, tout simplement, ce soir avec le fromage. Alors, moi, j'ai pris des bonbons comme ça. Ça, c'est mes bonbons de toute mon enfance. Donc, c'est 1,50 € pour les 6. Donc, j'en ai pris 2. Voilà, j'en ai pris 2. Vous entendez Eric 10 parce qu'il est content qu'on est rentré. Donc, là, Eric est parti le voir et lui donner des os parce qu'Amélie, elle nous a donné un tupperware rien pour Eric 10. Donc, voilà, 2. Deux paquets de bonbons comme ça. Alors, après, on a pris de la limonade pour Vincent, gazouze au citron, parce que Vincent est avec nous. Hein. Alors, il a pris au citron et il a pris pomme verte. Voilà. J'ai pris des bananes, une main de banane. J'ai pris des poires conférences parce que Eric aime beaucoup les poires conférences. Et du coup, j'en ai pris.
Alors, ensuite, et alors, comment je parle, moi ? N'importe quoi. Alors, j'ai pris une caisse de clémentine, parce que franchement, ça revenait moins cher en caisse. C'était 3,95 €. La truc qui me gêne, là, j'ai un cheveu, là, ça me gêne. Oh, ça me gratouille le nez. Alors, les clémentines, c'est des clémentines qui viennent d'Espagne, il n'y a que ça. 2 kilos pour 3,95 €. Bon, on verra si elles sont bonnes. Et en fait, les escalopes de poulet, alors on a pris une grosse caisse de 5 kilos. Donc, c'est les 5 kilos pour 26 €. Donc, ça vaut vraiment le coup. Voilà pour les petites courses du jour. Exceptionnellement, hein, franchement, on y allait pour les escalopes et on a oublié les œufs aussi, Vincent. Les œufs, on les a oubliés, ouais. En plus, il m'en reste que deux, donc que je ferai pas ma semaine avec. Hein? Faut noter quand c'est comme ça. Ben, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit on va prendre des œufs aussi. Tant pis. Parfois, bah, je te colle un truc ici. Et du coup, bah, c'est rien, j'irai dans la semaine. Enfin, pas dans la semaine, demain, quoi, parce qu'il me reste que deux œufs. Et puis comme on en déjeune le matin, et puis je pense faire des crêpes cette semaine aussi. Donc, bah, c'est pas grave, j'irai chez Lidl chercher des œufs. Donc voilà, bon maintenant, on va faire à manger, on va juste s'occuper de la purée. Parce que là, ma viande, elle est cuite, hein, c'est la carbonade. Donc je vais rallumer ma mijoteuse. Tiens Vincent, tu peux prendre tes limonades si tu veux. Bah, c'est trop que je dévore. Citron. Et ouais, je vais rallumer ma mijoteuse et puis juste pour réchauffer. Et puis on va commencer à faire la purée. Voilà. Et puis bah bien évidemment, va s'en manger à la maison. Et puis c'est tout après. Hein. Après manger, bah on va se prendre une douche, se mettre en pyjama très très chaud. Et puis regarder la téloche, hein, tout simplement. Voilà. Julie, elle est partie avec sa copine voir un match de foot. Donc là, elle m'a dit que le match est terminé, donc elle va pas tarder à rentrer. Et puis c'est tout, voilà. Allez, je vais faire la purée et puis je vous reprendrai tout à l'heure. On prépare la purée. Hop. Alors, maintenant, on va mettre le lait, les œufs, du beurre. Et après, on passera à table avec des choux de Bruxelles. Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce lundi 30 octobre? Ça y est, on recommence une nouvelle semaine. Il pleut, il fait froid, je suis gelée, archi gelée. Je vais mettre le chauffage à fond parce que... Pff. Alors, on se retrouve aujourd'hui car hier, on était dimanche. Et puis, en fait, on n'a rien fait de spécial. Hein, donc, j'avais pas assez de contenu pour faire un vlog. Donc, vous aurez des images de dimanche et d'aujourd'hui. Hein, voilà. Donc, c'est les deux. Alors, je pense que je vais faire ça le dimanche. Je vais faire le dimanche tranquillou, mais vous aurez quelques images du dimanche et comme ça le lundi en même temps. Parce que des fois, il n'y a rien et c'est un petit peu le repos. Alors, c'est soit que je voulais faire une journée off, soit je vous fais partager quand même ce que je fais le dimanche ou ce que je ne fais pas, justement. Donc, je sais pas, je vais y réfléchir. Oh, je suis gelée. Franchement, ce matin, quand je suis partie, il faisait 11 degrés. Je me suis dit, bon, pendant la séance, ça va aller. Je vais pas mettre de chauffage. Je suis couverte. Oui, Sandrine, sûrement. Je me suis endormie. J'ai dormi pendant la séance, mais j'avais froid. J'étais en boule. Et du coup, j'avais pas mis de chauffage. Mais j'ai dit, mercredi, je mets du chauffage. Ah, c'est sûr.
Heureusement que j'avais la polaire, parce que même les infirmières, elles ont froid. Un truc de fou. Ah non, on n'a pas de chauffage, il n'y a pas de radiateur, je veux dire, hein, dans les pièces, il n'y a pas de radiateur. Hein. Franchement, ça caille. Et là, en plus, c'est fort humide, hein, donc ouais, il fait froid. Là, il fait 12 degrés, hein, mais franchement, ça caille. Hein. Ça caille, ça caille. Alors, il est, je vous ai pas dit l'heure, il est 11h36. Alors, ça va, on a une bonne équipe. Une ancienne, donc elle y va quand même, hein. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et puis, du coup là, je repars à la maison, hein, parce que il était temps, parce que je suis gelée, gelée. Je rentre à la maison, j'allume j'allume à fond, à gogo, les feux. Ça, c'est pas français. C'est pas français ce que je dis, mais c'est pas grave. Je suis pardonnée parce que je suis fatiguée et je sors de ma séance. Alors, j'ai passé une mauvaise nuit. Enfin, c'est pas une mauvaise nuit, c'est que j'ai pas tellement bien dormi par rapport... Enfin, de toute façon, c'est tous les dimanches soir. Hein. Je pensais que j'avais du poids, j'étais essoufflée et tout. Mais non, ça allait quand même. Donc ce matin, j'ai pas déjeuné pendant la séance parce que j'ai dormi, j'ai même pas vu le médecin passer. Quand c'est comme ça, quand il n'y a rien à signaler, il ne nous réveille pas. Donc, mais j'entendais quand même parler, mais je dormais en fait. Heureusement qu'on a le chauffage dans les voitures. Là, je l'ai mis à 27. Et bon, faut attendre que ça arrive. Faut attendre. Bah ouais, j'ai le temps d'attendre, hein, si j'appuie pas sur le bouton. Pff, quelle nunuche. Bah ouais, Sandrine, enfin. Ma mère ici. Bah ouais, c'est ça, c'est... Pour ça, je dis c'est long. D'habitude, il est là. Voilà, là, je le sens. Je vais avoir mon bout du nez tout froid. Mais heureusement qu'on a les masques à l'hôpital, parce que ça tient un peu plus chaud, en fait. Ouais. J'ai la voix cassée. J'ai eu peut-être une poussière. Alors oui, j'ai la voix cassée, c'est normal, hein, comme tout le temps. Hein. Après chaque séance, souvent, j'ai la voix cassée. Hein. Donc là, je rentre à la maison, je me dépêche parce que j'ai envie de rentrer. Et puis, je vais manger. Que je vais manger de la soupe que j'ai fait hier et puis de la choucroute. Alors c'est que du chou, hein, avec du poivre, moi j'adore ça et je me régale, hein. Je me régale. Alors je dois passer à Lidl pour des œufs et puis je dois aller chez Aldi aussi pour des jus de fruits, mais je sais pas si je vais y aller aujourd'hui. Non, j'ai pas envie de sortir là. Je rentre, je mange parce que j'ai faim, comme j'ai pas déjeuné, je crève la dalle. Je prends une douchette, je me mets en pilou-pilou ou en survêt de maison et je ne bouge plus. Et cet après-midi, ce ne sera pas un café, ce sera un chocolat chaud. Alors, j'étais en train de regarder TikTok tout à l'heure aussi, à 20 minutes que je me réveille. À 20 minutes de la fin de séance, et ils annoncent, il paraît, une grande tempête en France de la nuit à mercredi à jeudi. Alors je l'ai vu passer plusieurs fois sur TikTok. Alors prenez vos précautions, on sait jamais, hein. Ouais, et ben du coup moi la séance est mercredi matin, ça me fait un peu peur quand même, hein. Mais ils ont dit c'est plus Bretagne qui sont en rouge, rouge, rouge. Et nous, un petit peu. Hein. Mais bon, ça va venir. Hein. Donc, moi, je l'ai envoyé, le lien, je l'ai envoyé à Eric, Vincent, Julie, Amélie, qui prennent leurs précautions. On ne sait jamais. Moi, ça me fait peur. Hein. Franchement, ça me fait peur.
Je vais moucher mon aîné parce que j'ai horreur de renifler. J'ai horreur de ça. Voilà, c'est fait. Bah oui, je ne l'ai pas fait devant vous. Bon, bah moi j'en ai plus, hein, des ricolas à la framboise. Voilà. Mais c'est, ils sont trop bons. C'est vrai qu'ils sont doux et tout. C'est agréable. Bon. Heureusement qu'il y a le chauffage, hein. Ouh. Ah ouais. Oh, ça va, ce matin, on n'a pas éteint les radiateurs parce qu'il fait froid sinon. Hein. Oh, bah. Allez, Burger King. Ça me donne envie de manger un hamburger. Mais non, non. Je rentre. Non, non, j'en ai mangé la semaine dernière. Pas tout le temps. Hein. Non, non, je vais manger ma choucroute parce qu'après, elle va plus être bonne. Le pain, ça va. On en a acheté hier, donc il nous en reste. Pas besoin de faire. Eric m'avait envoyé un message, il m'a dit « Repose-toi cet après-midi !» Bah oui, c'est sûr. Parce qu'il sait que j'ai pas bien dormi, en fait. Mais j'ai un petit peu de ménage à faire quand même, hein, donc je vais le faire. Tout doucement, mais je vais le faire. J'ai un petit peu de vaisselle, que je mets pas au lave-vaisselle d'ailleurs. Les sols, je ne le ferai pas tout de suite, je le fais au soir. Je donne la couture pierre au soir. Parce qu'avec Mathieu, là, c'est pas la peine. Hein. Ça sert à rien. Faut bien qu'il va faire ses pipis, hein, quand même, ce chien. Et puis sinon, j'ai rien d'autre à faire. Enfin, mon lit. Mais ça, c'est pas important. Il y a des moments où mon lit, il n'est pas fait. Hein. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Hein. De toute façon, il n'y a que la couette à remettre, hein, donc ça va vite. Hein. Et ben, il pleut, ça y est, c'est reparti. C'est moche l'automne. Oh là là. Ouh. Alors Julie, elle m'avait envoyé un message aussi. Enfin, c'est pas un message, c'est un snap ce matin quand elle est partie. Une heure et demie, elle est restée coincée sur la route. Il a dû avoir un gros accident parce que le SMUR est arrivé à vive allure. Ouais. Je vous jure. La meuf, elle voit que j'arrive à 130. Elle reste sur la voie du au milieu au lieu de se reculer pour que je puisse m'insérer. Ben oh, je vous jure, hein, faut pas s'énerver, hein, faut pas s'énerver. Mais à part moment, je mettrai bien des bas, enfin je vous jure. Oh là 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 là, quelle misère. En plus, ils conduisent, ils sont lents. Ça me fait trop rire. Ça va, l'autoroute, je le prends pas beaucoup. Mais après, la rocade, c'est tout le long de chez moi. Je vais mettre le pare-soleil parce que j'ai mal aux yeux avec le ciel blanc comme ça, là. Oh. J'ai faim, dépêchez-vous, les gens. Ouais, faut rigoler. Faut rigoler. Ah ouais, ouh. Fait meilleur dans ma voiture qu'à l'hôpital. Hein. Oh. En plus, on a des couettes en plastique. Donc ça tient pas chaud non plus. Hein. Franchement. Ah ouais, mercredi, moi je lui dis de me mettre du chauffage. 36,5 le chauffage. Obligé. Heureusement que j'ai des body. Hein, parce que moi, le dos, il est bien couvert. Ah ouais, franchement. Et heureusement que j'ai ça. Je ne le regrette pas du tout. Franchement, quand il y aura d'autres couleurs, ben je vais faire une collection, je pense. Parce que franchement, c'est trop bien. Trop, trop bien. Bon, allez.
je voulais, je vous reprendrai à la maison. Bon, les amis, je vous reprends que maintenant, depuis que je suis rentrée de la séance. Il est 16h05. J'ai fait une petite sieste. Petite sieste de 2 heures. Je suis encore plus crevée. Bon, je suis rentrée, j'ai fait à manger. Enfin, j'ai juste à faire chauffer. J'avais, comme je vous avais dit, le chou, là, façon choucroute. Ah, j'ai une crampe. Et j'ai mangé ça avec du jambon. Il me restait une tranche de jambon. Donc, je l'ai mangé. Après, j'ai mangé un Kinder, 2 clémentines. Et puis, c'est tout. Et puis, en regardant le film à la première, là, le téléfilm de l'après-midi, je me suis endormie. Après, il n'était pas top, le film. Hein. C'est peut-être ça qui m'a fait dormir. Franchement, il était nul, je trouve. Et puis, en plus, il n'arrête pas de pleuvoir. Là, je regarde, c'est affreux, affreux, affreux. Alors, en plus, ouais, hein, ils annoncent la tempête, hein, comme j'ai encore entendu tout à l'heure, là. Donc, moi, je vais prendre mes précautions. Préparer ce que j'ai acheté, le pain, les boissons, tout ça, pour pas sortir le jour-là, parce que sinon, on va vraiment acheter ce qu'il faut. Je vais y aller demain. Je devais y aller aujourd'hui à chercher les œufs et tout, et je peux pas, je suis trop fatiguée. Trop fatiguée. Franchement, je le sens quand même, hein, qu'après la séance comme ça, c'est trop fatigant. Je suis fatiguée. Puis en plus, avec le temps, alors ça n'arrange rien. Encore, je m'écouterai, j'irai chercher les œufs ou je ferai le ménage parce que là, j'ai rien foutu. Hein. Ma vaisselle, elle est encore là. Hein. Du coup, Eric, il me dit. Parce que là, Eric est sur la route, il arrive. Alors, il me dit, tu t'es reposé un petit peu. Je dis, bah ouais, j'ai dormi un petit peu. Je dis, mais bon, je dis là, j'ai pas fait la vaisselle. Mais il dit, arrête de toujours te préoccuper de ta vaisselle ou de ton ménage. Ah, je dis, ouais, mais quand même. Il dit alors, il dit, t'es fatigué, c'est tout. On le fera plus tard. Ah, je dis, ouais, je le ferai ce soir. Bon, je pourrais le mettre dans le lave-vaisselle si je veux. Mais c'est parce que j'aime pas mettre mes marmites dans le lave-vaisselle parce que ça nettoie pas comme moi je frotte en fait. Donc je préfère pas parce qu'après, si je le mets dans le lave-vaisselle, c'est pas lavé. J'aurais usé de l'eau pour rien, donc je préfère le laver. Puis après, comme je dis, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a aussi mon gaz à nettoyer. Parce que vous savez, moi, quand je fais à manger, je salis. Mais bon, c'est pas grave. Je ferai ce soir ou au pire, demain. Hein? On va pas chipoter. De toute façon, ça va pas arranger plus que ça. Hein? Bon, là, pour ce soir, le repas est prêt, donc je suis tranquille. C'est de la soupe ce soir. Et moi, j'ai mes crevettes. Donc là, je les ai congelées. Et puis, moi, je vais manger des crevettes ce soir et puis de la soupe. Ce sera très, très bien. Parce que là, on a trop mangé ces derniers temps. Oh. Je crois que je vais faire encore une sieste. J'ai soif en plus. J'avais bu un verre de jus de fruits, mais un multifruit. Je suis pas fan de ça, moi. Mais j'avais soif et c'était frais. Du coup, je l'ai bu. Mais j'ai l'impression d'avoir encore plus soif. Non, j'ai vu qu'il me restait ma bouteille de Volvic au citron. Vous savez, l'eau Volvic au citron, là. Je vais la sortir. Je me rappelais plus que je l'avais achetée. Et aussi l'orangina rouge. J'avais zappé aussi. Donc, je vais boire du Volvic au citron. Ça va me couper la soif. Et puis après, bah, dès qu'Eric arrive, on va se boire un petit café. Et il pleut. En fait, c'est de la fine pluie. Donc, ça mouille beaucoup. Hein. Là, je disais à Eric aussi, on va tout bien ranger. Enfin, c'est rangé, hein, je veux dire, à l'extérieur. Pour pas que ça vole quoi, avec la tempête qu'il va avoir. Parce que ça va monter à 120 km/h, voire plus. Hein. Donc, il vaut mieux faire attention quand même. Alors, j'ai mis ma grande plante. Vous savez, les feuilles en caoutchouc, là.
que Amélie, elle m'avait acheté l'année dernière à mon anniversaire. Et moi, je l'avais mis dans le salon. Mais avec le chauffage, toutes les grosses feuilles sont tombées. Il est presque nu. Du coup, ce matin, je dis, Eric, écoute, mets-le ici. Mais là, je vais le sortir comme il pleut. Je vais dire à Eric qui me le sort. Ouais, je vais sortir mes plantes pendant 30 minutes. Et après, je les rentrerai. Ça va leur faire du bien. Ouais, je dirais Eric qui fait ça. Voilà. J'ai de la lessive aussi à faire. Du coup. Bah, en fait, j'ai rien fait. Hein, je vous dis, j'ai rien fait du tout. Rien. Même mon assiette, elle est encore là. J'ai soif et je vais boire. Bon. C'est qui m'appelle ? Jiffy. Dernier jour, moins 50% en bon d'achat. J'y vais pas. Il me faut rien. Bon là, j'ai allumé la lumière, hein, parce que sinon, il fait noir de chez noir. Ocho, lui, il dort. Hein. Il dort encore. Alors, c'est bien hein, de faire la sieste quand il pleut. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les copains à Mathieu qui passent devant. Donc Mathieu, il ne boit pas et ça ne me réveille pas. C'est dingue, hein ? Il faut qu'il pleut pour que je fasse la sieste tranquillement. Alors avec le chauffage et tout, on avait chaud, on était bien. J'avais même pas besoin de mettre une couverture sur moi. En tout cas, les clémentines que j'ai achetées chez mon épicier, elles sont délicieuses, franchement délicieuses. Je devais même m'arrêter chez Grand Frais aussi tout à l'heure pour mes pamplemousses. Parce que je sais pas, le pamplemousse, j'aime bien le manger l'après-midi quand je regarde la télé. Je sais pas, j'aime bien. Et du coup, là, comme j'étais fatiguée, j'ai pas été, mais demain, je vais y aller. De toute façon, demain, je fais tout. Acheter du pain, le congeler, je vais en prendre plusieurs, je vais le congeler. Acheter des œufs, il me refaut des boissons, parce que ça part très vite, les boissons. Et puis, peut-être que je reprendrai une caisse de clémentine aussi, parce que franchement, elles sont trop bonnes. Et aller chercher les pamplemousses. Voilà. Alors j'espère que Julie, elle voudra manger de la soupe ce soir. Bah, sinon, elle se fera des pâtes avec une escalope de poulet. Parce que moi, je fais rien. Sinon, elle le fera elle-même. Mais moi, la soupe, elle est prête. Donc, nous, c'est très bien comme ça. Bon, allez, je vais boire du Volvic citron. Parce que j'ai la bouche un peu sec. Et puis, Eric va pas tarder, là. Et puis après, on se buvra un petit café, et puis on va se remettre dans le canapé à regarder Affaire conclue. On aime bien ça. Affaire conclue, et après, c'est Famille nombreuse. Voilà, moi je regarde ça. Et après, c'est la douche. Et après, le repas. Aujourd'hui, on va manger dans le salon, je pense. Comme c'est de la soupe, on va manger dans le salon. Enfin, on verra bien. Et puis après, ça va être dodo le soir. Hâte d'être dans mon lit. Mais c'est dingue, j'arrive plus à dormir jusqu'à 9h, 10h. J'arrive pas. Dès qu'Eric se réveille, je suis réveillée. Et après, j'arrive plus à dormir. Alors en plus que si je sais que j'ai du boulot, bah, je vais me lever et je vais pas me rendormir. Bon allez, je crois que Eric arrive. Allez, je vous laisse, je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, les amis, je vous reprends pour finir le vlog. Excusez-moi, j'avais complètement oublié de clôturer ce vlog. Donc, il est plus de 23h. Donc, je vous dis à demain pour un nouveau vlog avec moi. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour un meilleur vlog avec moi. À demain. Bisous. Ciao.